Solidaire d'abord. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je suis allé interviewer Georges. Alors Georges, il va nous parler du Linky et de la 5G. Il va nous parler aussi de cette société qui tout doucement est en train d'évoluer vers une société de consommation à tout crin, où on sera tous derrière nos écrans d'ordinateur à consommer bêtement chacun dans son coin. Alors qu'est-ce que t'en penses toi, Denis? Je pense que ça va de pire en pire. Je veux dire, la consommation c'est bien beau, mais bon. Il y a l'article qu'ils font, on prend 2, 3, 4, 5 degrés selon les prévisions pour, à cause des gaz à effet de serre. Il y a 70% des vertébrés qui ont disparu en 30 ans, 80% des insectes, 30% des oiseaux. Et où est l'urgence? Est-ce que c'est la 5G? Non, je pense pas, non. Et on pense qu'à une chose, relancer la consommation. Ben oui, mais la relancer, oui, mais comment? Et dans quelles conditions? Là, c'est un gros souci. Parce qu'on voit où ça nous a amené jusqu'à maintenant, on baisse les contributions économiques territoriales de 3 à 2%, on demande des aides aux milliardaires, des milliards sont distribués aux multinationales qui délocalisent la production et qui installent leur siège dans les pays qui sont des paradis fiscaux. Donc je ne sais pas où on va, mais bon, sûrement pas là où il faudrait aller. Bon, alors ça part de tous les côtés, de toute façon. On a vu l'autre jour, Plus Jamais Ça a pris position parce que la préfète de l'Ardèche a fait des restrictions pour les marchés. T'es au courant de ça? Oui, bien sûr, oui. Alors, dans les marchés, maintenant, il y a un sens de circulation et une jauge à 100 personnes. Oui. Mais pendant ce temps-là, pour la consommation, comme tu dis, dans les supermarchés, oui. Eux, ils n'ont pas de restrictions. Alors que dans les marchés assez ouverts, normalement, c'est là où il y a le moins de contamination par rapport aux lieux fermés. Mais apparemment, les lieux fermés, comme les grandes surfaces, ne sont pas concernés. Ouais. Et puis, alors, sur la santé, alors là, c'est la cata de chez la cata, hein, parce qu'on nous explique qu'il y a eu ce Ségur de la santé, là, tu sais, donc ouais. Normalement, ça devait tout arranger, mais en fait, on est allé manifester à Joyeuse, là, parce qu'ils ferment les services, parce qu'il n'y a plus de toubib, il n'y a plus de médecins, hein, voilà, le numerus clausus expliquant ceci et cela. Et donc, ce projet de loi sur la santé, c'est aussi un projet de loi sur la sécu. Tu sais que normalement, ils vont régler la façon dont les budgets vont être répartis pour la sécu. Et donc, on va se retrouver avec une baisse encore, des coupes drastiques dans le budget de la sécu. Et donc, on va se retrouver avec des lits ils vont nous mettre des lits dans les hôpitaux pour pouvoir assurer contre le Covid, là, momentanément. Mais en fait, ils ne créent pas de personnel en face. Donc, tu auras des lits, mais sans personnel. Enfin bon, tout part de travers. Pour les docteurs, on trouve que ce qu'on cherche, est-ce qu'ils cherchent vraiment, est-ce que c'est qu'une excuse? Je pense qu'il y a un peu de... Mais attends, tiens-toi bien, plus de docteurs, donc tu vas aller plus facilement aux urgences. Et là, aux urgences, tu auras un forfait de 18 euros à chaque fois que tu y passes. Mais voilà. Non, pas systématique. Si ceux qui sont hospitalisés n'auront pas le... C'est ceux qui ne sont pas hospitalisés. C'est pour éviter l'encombrement des urgences, oui, voilà, pour les petits ça. Bobos. Voilà. Mais les petits bobos, si selon ce que vous avez, vous n'êtes pas hospitalisé, même sans gros bobos. C'est pas systématique. Hein, Alors en plus, il va y avoir la taxation des mutuelles, enfin, etc. Mais les mutuelles vont augmenter quand même. Le remboursement se fait moins, et donc ben, c'est les mutuelles qui pallient, mais à quel prix elles augmentent. Bon, allez, on se tait parce qu'aujourd'hui, le grand sujet, c'est l'interview de Georges, et donc sur le Linky et la 5G. Bonjour Georges. Bonjour Michel. Aujourd'hui, je suis venu te voir pour parler de deux sujets d'actualité. Un qui est là déjà présent depuis 4-5 ans, hein, puisque ça fait 4-5 ans que le Linky est installé un petit peu partout, ouais, en France. Ouais, ouais. Pas forcément de façon très heureuse d'ailleurs, hein, apparemment. Ouais. Et puis un deuxième sujet, alors là, une grosse, grosse actualité qui est très controversée quand même, hein, c'est la 5G. Voilà. Et là, sur ces deux sujets-là,
Tu es un peu une pointure, tu as plein d'infos. Quoi. Pointure, je connais des choses, je ne connais pas tout, mais je connais des choses suffisamment pour parler sérieusement. Oui, d'accord. Oui. Alors, tu voulais parler de du Linky d'abord. Oui, je vais faire un tout petit rappel. Quoi, hein. Le vrai sujet du Linky, quand même, c'est la ville intelligente. Hein. Pour être plus global, le monde intelligent. Hein. Et le pilotage centralisé de nos vies. C'est ça qui est important. Alors, dans le petit rappel pour le Linky, on a déjà eu l'occasion d'évoquer à fréquence 7, hein, deux fois, hein, et on évoquait le Linky comme le maillot d'un tout un système communicant avec un déploiement d'antennes sans précédent. Hein. On a précisé que d'abord le Linky, c'est un ordinateur évolutif, donc on ne sait même pas comment ça va se passer après, parce qu'il est upgradable à distance. Ensuite, il est capable de recueillir des infos précises sur notre vie privée et aussi de communiquer avec les objets connectés qui sont en déploiement incroyable aujourd'hui. Voilà. Oui. Dans l'argumentaire du gouvernement, c'est théoriquement pour faire des économies, tout ça, non ? Bien sûr. Alors, c'est le contraire. C'est un gouffre financier pas possible. Je peux difficilement développer ça maintenant. Mais c'est un gouffre financier, en particulier au niveau environnemental. Voilà. Et ça nécessite un déploiement d'antennes et des data centers qui sont énergivores au possible. Hein. Donc c'est catastrophique. Là. Ensuite, ce Linky peut agir à distance sur nos installations. Comment ? Ben, en utilisant ce qu'on appelle un courant porteur en ligne, c'est un courant haute fréquence qui va jusqu'à 95 000 Hz. Qui est superposé aux 50 Hz, et ça peut même aller sur des fréquences supérieures maintenant avec l'évolution du Linky. Alors, ça pose d'énormes problèmes, on l'a vu. Hein. On a des installations qui ne sont pas blindées, donc le CPL, ce courant porteur en ligne, va rayonner, et ce rayonnement va créer des perturbations sur le matériel, sur les appareils et tout ça, et aussi va agir sur notre santé. C'est présent partout dans la maison, quoi. Complet. Dans tout l'appartement, toute la vie, toute la journée, toute la nuit. Et si on est dans un immeuble où il y a plein de gens qui ont un compteur Linky, c'est redoublé, c'est... Bien sûr. Alors, c'est bien de me poser cette question, parce qu'en fait, tous les Linky sont reliés entre eux dans une même grappe, un même concentrateur. Hein, c'est un gros ordinateur qui va communiquer par onde avec les distributeurs. Et donc, si par exemple, même il y a une personne qui n'a pas un Linky, eh bien, il va subir le CPL des voisins. Ah, oui. Voilà. Donc, c'est assez grand parce que, soit les gens peuvent collectivement refuser le Linky parce que, je le dis maintenant, en fait, rien dans les directives européennes ce ne sont que des recommandations, n'impose le Linky aux consommateurs. Dans le droit national, le droit français, la transition énergétique, rien, il n'y a aucune obligation pour le consommateur. Là, je suis formel, on travaille avec des avocats, donc je peux dire que ça a été des choses très précisées. Hein. Alors, les gens peuvent refuser. Bien sûr, Enedis a une obligation de moderniser le réseau électrique, mais cette modernisation de réseau électrique, elle peut passer par différentes technologies. Et c'est Enedis, via la Commission de régulation d'énergie, qui a choisi le Linky. On aurait pu choisir une autre technologie. Oui, la modernité, c'est le mot qui est mis en avant, comme si c'était inéluctable que cette modernité-là passe par toutes ces choses qui sont connectées. Voilà. Et en fait, on se rend compte... quand même dans la société, les gens qui pratiquent se rendent bien compte que, par exemple, un téléphone, on ne vous répond plus parce qu'il n'y a personne là-bas à l'autre bout, dans les administrations. On va dans les administrations, on nous dit il faut vous connecter pour avoir la réponse. Et en fait, quand on se connecte, on n'a pas les réponses. Bien donc sûr. C'est complètement fou. On va avoir de moins en moins de personnel et de plus en plus d'objets connectés, et une société complètement déshumanisée. Voilà. Quoi. Et ça, justement, c'est cette notion d'objet connecté. J'en dirai pas plus hein, sur le Linky. On a un site. Hein, notre site, c'est Stop Linky. Ça se tient tout. Hein, 07. stoplinky07.ardèchelibre.org. Si vous allez sur ce site-là, vous avez une photo... local, là. En dessous, il y a un bandeau noir. Dans ce bandeau noir, il y a un endroit à gauche
le pouvoir des communes, qui est intéressant, j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Et en dessous, il y a le logo Stop Linky et il y a des bulles oranges autour. Si on descend sur la bulle orange à gauche qui s'appelle Enedis Résistance, vous avez ici plein d'informations. Vous avez des informations par une plaquette, notre plaquette du collectif Stop Linky 07 5G. Hein. Et vous avez aussi une petite vidéo hein, que j'avais tournée avec Jean Hesch, le réalisateur donc Science et Manigance, une petite vidéo qui fait un peu le tour du problème aussi, de manière sur 15 minutes, c'est pas très long. Et en dessous, vous avez de quoi refuser le Linky, c'est-à-dire des courriers sérieux, argumentés, et les explications pour savoir où vous les envoyez. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant qu'on passe sur la 5G ? Bien sûr, hein ? Tout à fait, tout à Alors, fait. La 5G, y a une connexion, tu trouves, avec le Linky ? Est-ce que... Bien sûr. Parce que le Linky, il est capable de récupérer plein de données, y compris de gérer les objets connectés. Tout ça, ça fait une multiplication faramineuse de données, aussi bien par rapport aux objets connectés que par rapport à la vie privée, mais aussi dans d'autres domaines, dans différents domaines, la justice, l'éducation, la médecine, etc. Donc il y a une augmentation tellement faramineuse des données que, et qu'il faut des fois aller vite, par exemple, pour les voitures autonomes, il faut aller très vite. Hein, une voiture connectée, il faut qu'instantanément, elle soit dirigée. Hein. Ouais. Donc, pour ça, eh bien, avec les fréquences qu'on a maintenant, aujourd'hui, la 4G maximum pour l'instant, enfin, la 5G arrive, hein, on n'est pas capable d'avoir ces deux approches, la quantité et l'accélération. Et s'il y a une zone d'ombre, il peut y avoir des zones d'ombre même momentanées, non ? Non. Non. Alors justement, enfin, il y a encore quelques zones blanches, et encore elles sont plutôt grises, hein, oui. Mais les projets gouvernementaux et industriels sont supprimés, ces zones blanches, on va en parler. Donc la 5G, eh bien, ils vont utiliser des très hautes fréquences. Et ces très hautes fréquences, le problème, c'est qu'elles passent difficilement les obstacles, les murs des maisons, etc. Ils seront obligés de couper des arbres, etc. Ah, oui. Donc ça va être en plus de la 4G, qui vont se situer, donc il y aura des émetteurs qui vont se situer en plus sur les pylônes 4G, mais en plus il y aura d'autres antennes qui sont installées, quoi. Des antennes mères, mais qui vont communiquer avec des micro-antennes qui sont installées tous les 100 mètres, sur le mobilier urbain. Tous les 100 mètres. Mmh. C'est-à-dire qu'on va être environné avec des puissances plus importantes d'ondes électromagnétiques, outre celles qui sont produites à l'intérieur par le Linky et par déjà les ondes, hein, qui viennent de l'extérieur. Mais là, on va avoir une augmentation de l'électrosmog, on appelle ça, fantastique. Donc c'est un gros danger. L'occasion pour les industriels d'avoir la possibilité de gérer un tas de nouvelles technologies qui, en soi, il y en a certaines qui peuvent être utiles, mais les conséquences de ces technologies vont gravement altérer la vie des personnes. Est-ce qu'il y a eu une expérimentation, presque en situation réelle, c'est-à-dire une petite ville ou quelque chose comme ça, non. Dans lequel... Non, c'est ça le gros problème, c'est que ici, ça se passe à l'insu des citoyens. Il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite au préalable pour voir l'impact que peut avoir la 5G avec cet électrosmog fantastique. Ça correspond tout à fait à des expérimentations qui sont faites sur le vivant. C'est un crime contre l'humanité. Et moi, j'ai pas peur, et on n'a pas peur, parce qu'on n'est pas les seuls, bien entendu, on n'a pas peur de dire qu'il y a crime contre l'humanité. La façon dont on nous vend ça, c'est la modernité inéluctable. Hein, c'est quasiment ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est ça, la modernité, d'abord ? Eh bien non, mais ça, c'est des mots. La modernité, ça sert à faire passer, c'est le masque des volontés des industriels. Hein. Ce qui est moderne aujourd'hui, ça correspond à une vision matérialiste des choses. Mais derrière ce mot modernité, on efface l'humanité des gens, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne autre chose que l'aspect matériel, y compris corporel. Hein. Voilà.
leur relation à la nature, les émotions, les sentiments qu'ils peuvent éprouver, etc. Et puis aussi le fait qu'il y a des choses qui échappent à l'entendement même des sciences. Hein. Les sciences ne résument pas la connaissance, il s'en faut. Hein. Donc il y a un diktat hein, de cette société numérique, toute numérique, dans laquelle on veut inscrire les gens. Et je voudrais préciser une chose, tous les 100 mètres des antennes, mais aussi on envoie maintenant des satellites, il y en a déjà 200 qui tournent, dans la moyenne et basse atmosphère, qui vont rayonner pour faire en sorte que toute la Terre soit couverte par les ondes et qu'il n'y ait plus aucune zone qui échappe à ces capacités de communication. Là, ce qu'on nous explique, c'est que c'est scientifique, c'est le progrès, la science, etc. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont pris position en disant au moins, on va réfléchir un peu à... Alors, tout à fait. Il y a eu un appel international, je crois que c'est en 2017. Oui. Il y a 180 scientifiques, même médecins, qui ont signé un appel pour demander un moratoire. Hein. De plus en plus, d'ailleurs, se greffe là-dessus. On peut le trouver sur le site, sur notre site. Là, on va sur le pouvoir des communes. Hein. Il y a en deuxième partie de la page, quand vous ouvrez le pouvoir des communes, il y a tout un travail qui a été fait par rapport à la 5G. Donc, les gens peuvent prendre à la fois pour aller voir cet appel des 180 médecins dans 36 pays hein, différents, et à la fois voir cet appel, il est assez complet, très précis, et puis aussi, ils peuvent voir différentes préconisations de la Commission européenne, en particulier les préconisations 1815, enfin, ils verront ça sur le site, et ils verront l'importance que ces scientifiques et ces médecins donnent à ce danger, quoi. Est-ce que y a une posture des assurances par rapport à ça ? C'est-à-dire que à un moment donné, les gens vont peut-être se retourner, je ne sais pas. Alors, par rapport aux ondes électromagnétiques, il est clair que les assurances ne couvrent pas depuis je ne sais plus quelle année, ne couvrent pas les impacts des ondes électromagnétiques sur la santé. C'est clair. Donc, les gens sont vraiment exposés, vulnérables à cette technologie, quoi. C'est très, très grave parce que aujourd'hui, on est d'une certaine façon en résistance. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus, les gens qui échappent à cet aspect industriel, financier, de pouvoir, etc., se réclament des moratoires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, 11 grandes villes de France hein, réclament un moratoire. J'ai noté quelque part, il y a Lyon, Bordeaux, Marseille, Grenoble, Strasbourg, Bourg-en-Bresse, Tours, Poitiers, Besançon, Paris 12, Marseille, etc. Que des villes d'Amish. Ah, oui, des villes d'Amish, oui. Moi, les Amish, ma foi, ils sont mes Amish. Oui. Non, mais ça paraît complètement fou. C'est fou. En plus de comment dire, on accélère, et puis si vous restez sur le côté, vous êtes des Amish, on ne sait pas où on va, mais ça ne fait rien. Non, et puis on est des cobayes. Oui. C'est ça le crime sur l'humanité. On fait des expériences sur les êtres humains. Oui. Même l'ANSES a dit, mais on fait des études et tout ça, mais on le saura qu'en 2021. Mais pendant ce temps, ils installent, quoi. Oui. Il faut savoir que le gouvernement, pendant la période chaude du Covid, là, les ordonnances, l'ordonnance numéro 6, ils ont donné tout pouvoir aux installateurs. Pas besoin d'avoir des permis de construire, pas besoin d'informer la mairie, pas besoin d'avoir l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences. Ils font ce qu'ils veulent, ils installent, quoi. C'est vraiment de la dictature, hein. J'emploie les mots à dessein. Hein. C'est une dictature financière, presque, parce que en fait, il va falloir donc changer tout son matériel. Et puis quand on aura changé pour la 5G, ben, nous mettrons la 6G, il faudra à nouveau changer tout le matériel. Bien sûr, c'est ça. Mais là, ils vont sortir les portables 5G. Oui, j'ai oublié ça aussi. Les portables 5G, il y a des dizaines, plusieurs dizaines de micro-antennes dans les portables 5G.
C'est-à-dire que l'antenne mère, les antennes sur mobilier urbain, tous les 100 mètres, dans les portables avec les satellites. Il y a une réverbération dans le portable. Ah, complet. Non, c'est très très grave, quoi. Non seulement c'est de l'irresponsabilité, mais c'est un crime contre l'humanité, je le répète bien volontiers, quoi. Voilà, et les ondes électromagnétiques, alors, certains disent que les ondes électromagnétiques... avec la puissance de la 5G, ne vont pas traverser la peau. C'est pas vrai, en ce sens que ça va effectivement faire des courants induits dans le corps, à la périphérie du corps, mais ces courants induits vont eux-mêmes produire des micro-courants à l'intérieur, et ces micro-courants vont à leur tour produire des ondes électromagnétiques plus en profondeur. Ah, oui. Hein, c'est ce qu'on appelle les précurseurs de Brioula. Ça va agir très profondément dans l'organisme. Donc ça va perturber l'organisme vivant. L'organisme vivant, pour les ondes électromagnétiques naturelles, celles de le champ magnétique de la Terre, des phénomènes atmosphériques, et tout ça, sont habitués, sont adaptés. Alors que là, c'est des intensités, mais qui sont... autrement plus importante, un des effets, c'est l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière cellulaire qui protège le cerveau. Cette ouverture va créer des pollutions au niveau cerveau qui vont se traduire par plein de maladies, y compris au niveau des comportements et tout. Quoi. Si les gens réfléchissent moins, ça leur convient. Oui, c'est ça. Hein, ben oui, on peut dire ça. On est face à un changement de société quand même. Complet. Hein. Changement sociétal et environnemental. Et ce changement de société, sans consultation. On voit bien qu'il y a une volonté de se passer de la vie du citoyen et d'aller, de foncer tête baissée, sans souci de la santé physique et psychologique des gens, quoi. Oui, mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu une adaptation, quelle qu'elle soit, il y a toujours eu quand même un aller-retour sur une consultation du peuple qui était concerné, quand même. Eh ben, et là, c'est quand même vraiment une révolution. Un complet. Hein, et environnemental aussi, puisque il n'y a pas que, comment dire, tiens, je me souviens, il y a l'Assemblée Corse aussi qui a voté un moratoire, l'Assemblée complète. Hein. Ça a eu un impact sur tout le vivant, pas simplement sur l'être humain, mais aussi les animaux. Il y a eu en Suisse, ils se sont précipités sur la 5G en se disant on va être les plus modernes. Hein. Et ben, ils se sont rendus compte des effets délétères, en particulier là où la 5G était installée. Par contre, ils ont vu par exemple des morts d'oiseaux importantes et des choses comme ça. Donc, c'est pas une expérimentation, mais c'est des conséquences qui ont déjà été observées. Hein, c'est pas des fabulations. Alors, il y a des pays, par exemple la Belgique, en particulier à Bruxelles. La maire de Bruxelles a dit « moi, je veux pas que mes citoyens soient des cobayes », donc elle a interdit la 5G. D'accord. Après, il y a dans d'autres pays, la Suisse aussi, bien sûr, qui a arrêté le déploiement de la 5G. Il y a l'Italie et d'autres, hein, des pays. Hein. Et donc... On sait, nous, en France, on n'avait pas eu ces grandes manifestations qu'il y a eu dans différents pays. Et on a fait une première, quand même. Le 19 septembre, à Lyon, il y a eu une manifestation monstre. Quand je dis monstre, on aurait pu être plus nombreux. Bien sûr, on était à peu près 1000. Hein. Mais à Lyon, devant le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, pour justement manifester contre la 5G et demander un moratoire aussi. Donc c'est la première grosse manifestation en France qui va certainement être suivie d'autres par la suite. On a très peu de chercheurs ou de gens qui connaissent un peu le sujet, qui ont été invités à débattre. Il y en a, mais ils sont pas médiatisés. Oui. Par exemple, le professeur Martin Pall, c'est un éminent professeur international en biologie et tout ça, qui dénonce de manière très concrète, très précise, les effets délétères de la 5G. Ça, tu disais, c'est un changement sociétal sans précédent, certes, mais qui va aboutir à une automatisation du vivant. C'est-à-dire qu'on va avoir la gestion de tous, de différents, par exemple la médecine, l'éducation, alors ce qu'on appelle l'AE médecine, l'AE éducation, l'AE justice, l'AE agriculture, par des algorithmes de l'intelligence artificielle. Donc on va être soumis à des expertises. Mais des expertises, bien sûr, avec des critères particuliers qui vont amener les gens à se conformer à des réponses.
au niveau de l'agriculture, au niveau... et quand on sait que c'est la domination de tous ces secteurs sont la domination des industriels, ces effets des ondes électromagnétiques, selon la puissance, bien entendu, ils agissent progressivement sur l'individu. C'est-à-dire que petit à petit, l'organisme se défend par rapport à cette perturbation de la biologie humaine. Oui. Et à force de se défendre sans arrêt, hein, tu vois, par exemple toute la journée, eh bien, il fatigue. Oui. Et à un moment donné, eh bien, l'organisme ne peut plus supporter. Et on devient hyper électrosensible. Et aujourd'hui, les électrosensibles représentent plus de 3,5 millions en France d'habitants électrosensibles. Ah oui. Ouais. Et comment ça se fait qu'on n'entend pas parler ? Eh bien, parce que il faudrait que des émissions comme celle-ci soient plus fréquentes, quoi, oui, parce que les médias ne font pas état de ça. 3 millions, attends, on est à 5% de la population. Là, tout à fait, tout à fait. 5%, et c'est le professeur Belpomme qui est un éminent spécialiste dans les recherches par rapport aux électrosensibles. Qui avait fait des recherches sur le cancer aussi. Société induit aussi l'utilisation de produits qui sont cancérogènes. Voilà, c'est d'ailleurs lié. Il a étudié à la fois l'impact des ondes et puis des produits chimiques sur les gens. Donc il y a des intolérants, mais quand on sait, dans le monde, ça va jusqu'à 10% de la population à certains endroits, d'électrosensibles. Oui. Et le professeur Belpomme disait que dans 50 ans, on aura 50% de la population qui sera électrosensible. On ne naît pas électrosensible, on le devient. Grande scientifique d'une université au Brésil, qui s'appelle Adilza Condessadod, et qui disait que la pollution électromagnétique sera le plus grand problème sanitaire du XXIe siècle. Merci à tous les lanceurs d'alerte. Bon, nous voilà. Bon, mais encore nous. C'est nous. On vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt. Digérez bien Linky et 5G. Allez, bon courage.